Nous. Vous écoutez? Ok. Et en plus, on est sur YouTube aussi en live. Et les personnes qui sont là dans la visio pourront directement poser leurs questions. D'accord. Pauline, du coup, t'es pas obligée de mettre ta caméra. C'est pas qu'on veut pas okay. te voir, hein, mais pas de du problème. Coup, c'est plus facile pour. Comme c'est, on est aussi sur YouTube, ce sera plus facile pour le réalisateur s'il n'y a pas trop de caméra. D'accord, pas de souci. Alors bonjour à toutes et tous, bienvenue dans notre émission. On a déjà fait deux signes de base. C'est la première fois qu'on fait un entretien sans signer avant avec un chercheur. Moi, c'est Agrippine. Je vais animer ce dialogue avec Pruna. On est tous les deux militants d'Extinction Rébellion. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Extinction Rébellion, c'est civil, pour la défense du monde vivant. Donc pendant le confinement, on a mis un petit peu entre parenthèses nos actions et on propose des formats vidéo pour réfléchir aux enjeux écologiques pendant cette période. Et aujourd'hui, avec notre invité. Donc Jean-Baptiste, vous êtes historien des sciences, des techniques et de l'environnement. Vous êtes chargé de recherche au CNRS et vous avez notamment coécrit l'événement Anthropocène. Donc vous étiez à la journée de la déclaration de rébellion le 24 mars 2019 pour le lancement d'Xerfrance. Et on vous retrouve aujourd'hui, un an après, en plein confinement, pour nous entretenir avec vous sur vos travaux, sur notre mouvement et sur l'actualité. Donc pour les personnes qui sont connectées, cet échange durera jusqu'à 21h, on est en direct sur YouTube, donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et on fera le maximum pour les poser dans le temps qui nous importe. À Jean-Baptiste. Donc pour les personnes qui se présentent actuellement avec nous sur la visio, vous pouvez poser vos questions à l'écrit dans le chat, ou à l'oral, en demandant la parole, il faut mettre un point d'exclamation dans le chat en précisant le thème de votre question, par exemple, transition énergétique. Et on vous inscrira. Donc votre question sera pas posée immédiatement, mais elle sera posée. Donc on va commencer tout de suite. Donc Jean-Baptiste Rousseau, comme l'a dit Bruna, vous étiez à notre déclaration de rébellion. Donc il y a un an, c'était le lancement d'Ixer, d'Extinction Rébellion en France. Et voilà ce que vous disiez à l'époque. Face à la crise climatique. Mais il y a une raison toute simple, c'est que le mot clé, le mot d'ordre pour résoudre ces questions climatiques, c'est de dire on va faire une transition énergétique. Et le sous-entendu, c'est que le capitalisme est très fort pour faire ça, parce que dans le passé, évidemment, on aurait fait tout plein de transitions énergétiques. Les capitalistes seraient très forts pour innover. Et donc, finalement, ce mot de transition énergétique devient l'espoir d'un capitalisme vert, Alors moi, j'ai pas eu la vidéo en entier, je sais pas si tout le monde l'a eu en entier. En tout cas, en gros, ce que vous dites, vous, donc, c'est que y a cette notion de transition énergétique, ça n'existe pas, en fait, enfin, ça n'a jamais eu lieu dans l'histoire. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer ça? Alors, effectivement, faut dire que c'est en fait un argument qui s'adresse principalement aux historiens. C'est-à-dire, ce qui me frappe, c'est à quel point les historiens emploient facilement le mot de transition énergétique
pour décrire en fait des processus qui sont exactement l'inverse. C'est-à-dire que la révolution industrielle est souvent analysée comme une transition d'une énergie qui serait le bois, la biomasse, vers une énergie fossile, le charbon. Mais en fait, quand on regarde l'histoire de la révolution industrielle, on voit que plus on consomme de charbon, en fait, plus on consomme de bois. Donc, la révolution industrielle, ce n'est pas du tout la transition d'une forme d'énergie à une autre. Alors, on consomme d'autres types aussi de bois. C'est davantage de bois d'œuvre, du bois pour faire du papier, du bois pour faire plein d'autres choses. Mais ce qu'il faut voir, c'est que cette notion de transition, elle a tendance, à mon avis, à donner une vision beaucoup trop phasiste de l'histoire matérielle de nos sociétés, comme si dans le passé, on avait basculé de systèmes énergétiques à d'autres. Et ce qui me semble important, le point sur lequel je veux insister, c'est le fait que dans l'histoire, on a plutôt des relations symbiotiques. C'est-à-dire quand on augmente la consommation de charbon, on augmente aussi la consommation de bois, tout simplement parce qu'il faut déjà beaucoup de bois pour extraire le charbon. Dans les mines du 19e siècle, toutes les galeries sont boisées, ça consomme des quantités de bois absolument ahurissantes. Pareil pour le chemin de fer, pareil pour l'emballage, les tonneaux, les caisses, le papier, je l'ai déjà mentionné. Donc voilà, c'était le point important, c'est que les historiens, en fait, le mot transition, ce qui est intéressant, c'est de voir d'où il vient. Ça vient au départ de personnes qui réfléchissent, à la crise énergétique dans les années 70, pour dire les choses simplement. Donc c'est plutôt la question du pic du pétrole qui se pose à ce moment-là. Et très vite, le mot de transition arrive comme on va faire une transition, comme on a fait dans le passé. Les historiens ont complètement repris ce terme-là et, ce faisant, ont naturalisé l'idée que dans le passé, il y aurait des transitions et qu'on va faire encore d'autres transitions. Donc, ce qui m'embête, c'est que le débat public hérite d'un mot qui est biaisé au départ, qui est très piégeux, en fait. Et les historiens ont joué un rôle, finalement, dans la construction de ce piège, d'une certaine manière, parce qu'ils ont repris ce terme qui était très à la mode dans les années 70 pour décrire le passé, alors que ce qu'ils décrivaient, de fait, c'était autre chose. Et ce faisant, ils nourrissent un espoir d'une transition assez facile, en fait, vers un autre système qui serait renouvelable, etc. Donc voilà, c'est un petit peu ce point qui me semble important, c'est que ce mot de transition, il est à la fois, on a l'impression que il joue à la fois sur le passé, c'est-à-dire dans le passé, il y aurait des transitions, et de fait, il projette sur le futur un passé qui n'existe pas. Et le futur qu'il projette reste quand même assez fantomatique. Et ça ne veut pas dire qu'une transition est impossible. Et c'est pour ça qu'Extinction Rébellion se bat, j'imagine. C'est pour faire advenir une vraie transition, pas une addition ou une symbiose supplémentaire, quoi. Donc ça ne veut pas dire que c'est impossible, ça veut dire simplement que dans le passé, on n'a jamais fait ce qu'on prétend faire maintenant assez rapidement, à très courte échéance, parce que ce qui est très important, enfin, ce qui rend pessimiste, c'est pas l'histoire ne montre pas que c'est impossible de faire une transition. Ce qui rend très pessimiste, c'est ce que les climatologues nous disent, il faut décarboner l'économie avant 2050, en gros, pour éviter pour aplatir la vague, pour reprendre la métaphore la mode actuelle du changement climatique, quoi. Donc c'est vraiment la durée très brève de temps qui nous est impartie, qui rend assez pessimiste effectivement sur la capacité de réagir à la hauteur du défi climatique, quoi. Et il y a une autre chose que vous aviez dite ce jour-là, c'est que donc une transition énergétique, c'était quelque chose qui n'avait jamais eu lieu, donc remplacer une source d'énergie totalement par une autre, donc passer en gros entièrement aux énergies renouvelables. Et vous avez dit qu'il faudrait une amputation énergétique, mais ça, c'est aussi quelque chose qui n'est jamais arrivé en fait par le passé. Alors, il y a deux problèmes, c'est qu'en fait, on va vous dire, mais si des transitions, il y en a eu. Regardez, l'Angleterre, elle consomme très peu de charbon maintenant, alors que c'était une grande puissance énergétique qui était fondée sur le charbon au 19e et 20e siècle. Alors, au niveau local, au niveau national, il y a des transitions. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de transition. C'est au niveau global qu'il n'y a jamais eu de transition. Donc ça, c'est le premier point de précision qu'il faut apporter. Et la deuxième chose, sur des amputations énergétiques, est-ce qu'on n'a pas eu? Localement, il y en a eu. Je ne sais pas si vous prenez toutes les grandes crises économiques, d'une certaine manière, ce sont des amputations énergétiques qui sont aucune à la hauteur, à mon avis, de ce qu'il faut faire encore maintenant. Donc, c'est pour ça que, d'une certaine manière, l'histoire n'a pas vraiment d'analogue à fournir, quoi. Mais il y en a eu, si vous prenez même des exemples qui sont plus ou moins proches de ce qu'on pourrait imaginer mettre en place, mais en 1992, donc récemment, à la chute de l'Union soviétique, il y avait des pays qui dépendaient étroitement de l'URSS pour avoir un pétrole bon marché. Il y avait deux pays en particulier qui n'avaient pas les moyens d'acquérir du pétrole au marché au cours international, mais qui dépendaient du pétrole soviétique, c'était Cuba et la Corée du Nord. Les deux ont subi une très forte amputation énergétique, si vous voulez.
Et ce qui est frappant, c'est à quel point ces pays ont géré différemment, à vrai dire, cette amputation énergétique. D'un côté, encore une fois, ça a été un véritable désastre, hein, ça a suscité une grande famine. À Cuba, ça a été très difficile, mais de fait, il n'y a pas eu d'hécatombe démographique comme il y a pu avoir en Corée du Nord. Donc, il y a différentes manières de gérer des amputations énergétiques. Mais ce qui est sûr, c'est que ces exemples-là ne sont pas du tout similaires avec ce qu'on pourrait faire advenir pour le changement climatique, parce que la différence fondamentale, c'est que ces amputations énergétiques, elles étaient subies, alors que de fait, les pays riches n'ont aucune raison de subir une amputation énergétique. Le système économique n'a aucune raison de tolérer une amputation énergétique. Du pétrole, il y en a encore énormément, du charbon, il y en a plus que ce qu'il ne faut pour plusieurs siècles. Donc on est en fait dans une situation d'exubérance et d'abondance énergétique. C'est ça qui rend aussi très pessimiste sur la capacité de faire une transition. C'est que de fait, la nature ne nous force absolument pas à faire une transition. Moi, c'est ça en fait qui me rend pessimiste, c'est que ce qu'on est en train de vivre, ce n'est pas du tout ce qui était pensé dans les années 70, où la question c'était plutôt le pic du pétrole, la raréfaction des ressources énergétiques, le renchérissement du prix de l'énergie. On est en fait dans une situation qui est très différente. Il faut volontairement s'infliger une sorte d'amputation et de cure de descente énergétique, une décroissance, alors que la nature ne nous force pas à le faire en fait. Et en tout cas pas à des échelles de temps, en 2050, avoir coupé l'essentiel de nos énergies fossiles. Alors, il y a une question. Tout à l'heure, vous avez parlé de vision un petit peu phasiste de l'histoire. Il y a une question là-dessus, c'est est-ce que cette vision un petit peu phasiste de l'histoire, elle vient du fait qu'on a du mal à appréhender la complexité? Et alors, je ne sais pas d'où vient cette question, mais c'est juste pour compléter la question, c'était au niveau presque cérébral. Pardon, qu'on aurait une incapacité presque naturelle à... Alors, la réponse est vraiment non, parce que ce qui est frappant, c'est qu'en fait, si vous prenez le discours qu'on tenait sur ce qui se passe dans le domaine énergétique au XXe siècle, tout au long du XXe siècle, les gens qui s'y connaissent, en gros, les géologues, ceux qui s'occupent de faire tourner les centrales à charbon ou qui s'occupent de développer le système pétrolier, ils savent très bien qu'il n'y a jamais eu de transition. Et par exemple, il y a tout un discours grandiloquent chez les intellectuels en disant que le XXe siècle sera le siècle du pétrole et de l'électricité. Mais les ingénieurs qui s'y connaissent un peu savent très bien que c'est faux et que le charbon, au XXe siècle, reste la principale source d'énergie industrielle et restera très probablement, selon eux, la principale source d'énergie industrielle. Et en cela, ils ont eu raison. D'accord ? Donc, je dirais qu'il y avait un discours intellectuel qu'on retrouve aussi chez certains critiques de la technique. C'est ça qui est assez intéressant. Lewis Mumford, qui est souvent cité comme un grand penseur de la technique, il y a une vision hyper phasiste et hyper simpliste du monde technique avec des grandes phases qui se succèdent les unes après les autres, mais c'est simplement une vocation pédagogique. Ceux qui décrivent vraiment les choses à partir de statistiques, etc., savent très bien qu'on n'a jamais, enfin, qu'il n'y a jamais eu vraiment de transition du charbon au pétrole. Pour une raison toute simple, c'est qu'en fait, l'infrastructure pétrolière nécessite énormément de charbon. Si vous voulez, dans l'entre-deux-guerres, pour construire une voiture chez Renault, mettons, dans les années 30, il faut 7 tonnes de charbon. C'est à peu près autant que tout le pétrole que va consommer cette voiture dans sa durée de vie, en fait. Donc, c'est des calculs qui sont faits déjà dans les années 30. Hein. L'infrastructure pétrolière, tous ces immenses réservoirs, la flotte de pétroliers, etc., ça consomme beaucoup d'acier. Cet acier, il est entièrement produit, évidemment, avec du charbon. Les routes qu'on va être obligé de transformer, de complètement changer de nature pour faire passer des voitures, en particulier des camions, les routes, ça consomme énormément de ciment. Et ce ciment, il est fait au charbon, etc. etc. Donc, je veux dire, n'importe quel ingénieur qui regarde un petit peu les statistiques, il y en avait tout plein au XXe siècle, ça très bien qu'il n'y avait jamais eu de transition énergétique. C'est seulement dans les années 70, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est à partir des fin des années 60, années 70, où cette idée de transition s'impose. Alors, il y a plein de raisons, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais premièrement, il y a d'abord la question du nucléaire qui joue un rôle. Il y a eu un espoir dans la technocratie que le nucléaire vraiment va produire quelque chose de très différent, que ça va être de l'énergie gratuite, etc. Donc, il y a vraiment un espoir nucléaire qui joue un grand rôle. Et la deuxième raison principale, qui arrive plutôt dans les années 70, c'est la question du pic du pétrole. En gros, ceux qui ont cette vision phasiste, en fait, ce sont en général les Malthusiens, ceux qui se focalisent sur la limite des ressources et les pics. Parce qu'évidemment, si on épuise le pétrole, on va être bien obligé de passer à autre chose. Et donc, c'est pour ça qu'à partir des années 70, cette notion s'impose. Et la dernière raison, c'est qu'en fait, cette notion, très précisément, elle vient des prospectivistes, des gens qui font de la prospective, de ceux qui imaginent le futur. C'est des gens en fait, qui ne sont pas en train de décrire le passé, c'est des gens qui prévoient le futur et qui
ensuite projette cette notion de transition sur le passé. Donc voilà, c'est un peu les trois raisons, si vous voulez, pour laquelle la notion de transition s'impose. Très clairement, le nucléaire, l'espoir nucléaire dans les années 60, 50-60. Ensuite, la question du pic du pétrole dans les années 70 et ce milieu de la prospective qui est très, très influent à partir du milieu des années 60 où, en fait, on extrapole à partir de tendances relativement courtes des futurs énergétiques. Et c'est assez frappant de voir que dans les textes des années 70, parce que le charbon, en gros, a pu commencer à stagner dans les années 60 grâce au pétrole qui augmente, il projette les points, il projette la courbe qui est en train de descendre en disant, bah, voyez, en 2000, il n'y aura plus de charbon. Bon, ils sont plantés en 2000, il n'y a jamais eu autant de charbon dans le système économique qu'en ce moment-là, effectivement. Mais donc voilà, c'est un petit peu ces trois milieux-là, ces trois raisons-là qui fait que la notion de transition s'est imposée dans les années 70. Et l'autre problème aussi, c'est qu'elle s'est imposée dans un moment où on pense le pic du pétrole, le renchérissement du pic du pétrole, le choc pétrolier, où la question, ce n'était pas tant finalement de se passer entièrement de pétrole, mais que de réduire la dépendance au pétrole. Et on a transposé cette notion, où ce qui compte finalement, c'est le poids relatif des différentes énergies, de faire réduire le poids relatif du pétrole, on l'a transposé au changement climatique, où là, le sujet est très différent. C'est se passer entièrement de pétrole, entièrement de fossiles. C'est un truc qui est complètement différent. Et donc, c'est pour ça que je trouve dommage. C'est pour ça qu'on invente de nouveaux mots maintenant. Quand on parle de décarbonisation, c'est beaucoup plus clair. Au moins, là, c'est clair, ou de sortir des fossiles. C'est pour ça que les mouvements XR doivent absolument pas prendre ce terme de transition qui est trop, trop piégeux, trop... Alors, c'est assez compliqué de ne pas parler la langue commune, mais c'est vrai qu'il faut parler de sortir des fossiles, etc. C'est ça qui est important, effectivement. Alors, juste une toute petite dernière question, parce que vous avez abordé le nucléaire, et puis après, on passera peut-être à un autre terme, mais il y a une question sur le nucléaire. Donc, qu'en est-il du nucléaire? Et est-ce que c'est une fausse solution pour se débarrasser des énergies fossiles? Alors, le nucléaire, bon, c'est en fait une question qui est très franco-française, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a que en France, un peu au Japon aussi, où on a un tel poids du nucléaire dans la production d'électricité. Mais à l'échelle mondiale, le nucléaire ne représente quasiment rien. C'est quelques 3-4% du mix énergétique global. Donc ça veut dire que c'est une solution qui n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'il faudrait faire en termes de production énergétique. Le deuxième point, c'est tous les risques liés au nucléaire. On ne sait absolument pas quoi faire des déchets. L'espoir, c'était d'avoir des surgénérateurs, mais cet espoir-là s'est évanoui. Donc, en fait, on se retrouve avec des quantités de déchets qui sont bien supérieures à ce qu'on pensait, parce qu'on pensait pouvoir brûler les déchets, et finalement, ça ne va pas pouvoir se faire. Et la troisième question, c'est les coûts. C'est beaucoup trop cher, en fait. C'est une énergie qui est vraiment beaucoup trop chère et qui n'a pas vraiment d'avenir, disons, en tout cas, avec le système qui existe actuellement, qui n'a pas beaucoup d'avenir au niveau global, quoi. Il n'y a que quelques pays où l'État choisit d'investir là-dedans. Il y a la France, la Chine, où il y a encore un programme nucléaire, mais sinon, dans la plupart des autres États, le programme nucléaire est en fait au point mort, quoi. Il y a la Russie aussi, pardon, qui est importante. OK. Donc, merci beaucoup. On va passer au deuxième thème. Donc, dans votre intervention à la déclaration de rébellion d'XR, vous disiez que nous n'allions pas connaître un effondrement, mais plutôt un apartheid écologique. Donc, selon vous, le concept d'effondrement est-il pertinent? Alors, je ne sais pas si j'ai énormément envie de parler d'effondrement, parce que je trouve que c'est une manière un peu dommage. Enfin, à la fois, j'ai toujours retrouvé un peu trop simple cette notion d'effondrement, parce que c'est évident que le changement climatique, ça va enclencher tout plein de processus qui sont compliqués et différenciés suivant les géographies, suivant les classes sociales, suivant les pays, etc. En gros, il n'y a pas un changement climatique. Il y a des pays qui peuvent, à court terme, gagner du changement climatique, par exemple, d'autres qui souffrent déjà énormément du changement climatique. Donc, c'est assez compliqué de parler d'un effondrement. Tout comme il n'y a pas un grand tout, si vous voulez, ça n'existe pas. Ce grand tout ne peut pas s'effondrer d'un coup, vu qu'il n'existe pas. Donc, c'est pour ça que moi, cette notion d'effondrement, j'ai toujours trouvé un petit peu... plutôt une forme de régression par rapport à l'écologie. Quoi. L'écologie, il y avait deux choses très riches quand même dans l'écologie, d'un point de vue de l'histoire des idées. C'était, un, on se projette dans le long terme, on pense le long terme, et deux, on pense les non-humains. On pense la nature, on pense que la Terre n'appartient pas qu'aux humains. Quoi. Et effondrement, pour moi, c'est un peu... mais j'ai pas envie, ça me saoule de parler de ça, parce que finalement, ça devient une guerre picrocolline de mots parmi les écologues, et je trouve que c'est pas très intéressant. Mais... ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas le mot qui, à mon avis, nous permet vraiment de... Comment dire? Si ça mobilise, tant mieux, utilisons-le, mais il faut bien avoir conscience que ça a un coût. Voilà. Et en particulier, je suis très sceptique sur les prédictions d'effondrement en donnant une date, parce que ça,
Enfin, je veux dire, c'est évidemment très dangereux parce que ça a déjà été fait régulièrement dans le passé et puis à chaque fois, ça s'est avéré faux, quoi. Donc, c'est pour ça que ça me semble très dangereux d'utiliser ce genre de débat-là, enfin, ce genre de rhétorique-là. Maintenant, sur l'effondrement du vivant, il faut absolument employer ce terme. Le vivant, d'une certaine manière, s'est déjà effondré. C'est ça, en fait, qu'on a. C'est ça qui me gêne, c'est que dans cette question d'effondrement, ça nous recentre sur nous, en fait, sur nos grandes infrastructures, sur. Est-ce qu'on pourra faire tourner nos voitures, etc. Est-ce que l'économie va. Enfin, pour les écolos, l'effondrement, il a déjà eu lieu, en fait. C'est-à-dire que la biodiversité n'a absolument rien à voir avec ce qu'elle était, ne serait-ce qu'il y a 60 ans. Il y a des statistiques absolument effrayantes. Si vous prenez la biomasse des vertébrés terrestres, 97%, c'est les humains et leur bétail. Donc, de fait, le reste de la nature n'a quasiment plus le droit d'exister, de fait. Il y a des chiffres effrayants sur les insectes qui sont quand même. Pour le coup, très nombreux et très lourds et qui sont beaucoup plus, en termes de masse, beaucoup plus importants que les humains. On avait des chiffres absolument effrayants sur 60-70% des insectes volants qui auraient disparu en 30 ans, etc. Donc, d'une certaine manière, l'effondrement du vivant, il a déjà eu lieu. Et à se focaliser sur l'effondrement des grands systèmes industriels, de la civilisation industrielle, finalement, on se focalise sur quelque chose qui est beaucoup plus résilient, quoi, qui est beaucoup plus solide, et la vie qu'il ne faudrait pas forcément défendre, quoi. Donc c'est pour ça que je suis toujours je trouve ça un petit peu dommage. Et l'autre problème, c'est évidemment la question de ce grand tout qui va s'effondrer, c'est-à-dire que le changement climatique, ça va renforcer les inégalités déjà existantes sur la planète. Les pays qui n'ont absolument pas participé au changement climatique sont les premiers exposés au changement climatique. Les pays qui sont premièrement responsables du changement climatique ne sont pas les premiers qui vont se prendre la vague catastrophique du changement climatique. Donc, c'est pour toutes ces raisons que je trouve pas forcément, disons, adéquate cette notion d'effondrement. En même temps, si il faut communiquer et que ça permet de mobiliser et que ça fait enfin, ça produit des choses intéressantes d'un point de vue politique, on peut l'utiliser. Mais je pense qu'il faut vraiment parler de l'extinction de la nature, de l'effondrement de la nature. Dans ces cas-là, il faut être vraiment bien, bien clair là-dessus. La question, ce n'est pas l'apocalypse et de la civilisation industrielle. Ce n'est pas ça qui doit nous mobiliser, en fait, je pense. Et il y a une question qui a été posée là sur la visio. Il existe une notion de civilisation. Est-ce qu'on n'est pas à la veille d'un changement de civilisation? Et c'est en ça qu'il faudrait lier le terme effondrement et civilisation, puisqu'il y a plusieurs civilisations qui sont effondrées dans le passé. Alors, la notion de civilisation, elle est très très problématique en fait. Dès que vous en parlez un peu à des, enfin, je suis pas spécialiste de ça, mais les archéologues, enfin, les historiens qui s'occupent des civilisations anciennes n'utilisent plus cette notion en fait, qui est très très piégeuse aussi parce que en fait, on a eu tendance à, en gros, les archéologues, ils pensaient que la civilisation, c'était quand il y avait des ruines, quoi, quand il reste des beaux monuments. Mais en fait, des monuments abandonnés, ça veut pas dire qu'il y a eu un effondrement d'une civilisation. Ça veut dire que les gens ont abandonné cette cité pour tout un tas de raisons diverses et variées, mais ils ont pu très bien utiliser un habitat disons précaires en bois ou des choses qui restent pas, quoi. Donc il y a une sorte de position entre civilisation et barbarie, civilisation et sauvage qui est maintenant vraiment remise en cause. Si vous prenez les théories de James C. Scott, par exemple, sur la naissance de l'État moderne, on voit bien que ce genre de notion en fait qui hérite d'une philosophie de l'histoire occidentale qui pense, enfin, qui est obsédée par l'État en fait. Pose toute une série de problèmes. En fait. C'est pour ça que j'ai pas forcément, je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais en fait, une civilisation. Enfin, je ne sais pas, est-ce qu'on fait partie de la même civilisation? Est-ce que l'Europe fait partie de la même civilisation que la civilisation chinoise? Je ne sais pas. On peut dire qu'il y a des infrastructures techniques et matérielles qui sont relativement identiques et qui posent un problème sérieux. Et ce que je vous disais, c'est qu'à mon avis, ces infrastructures, ce n'est pas les premières menacées par le changement climatique. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas se focaliser là-dessus. Sinon, j'ai vu, il y avait une question intéressante sur transition énergétique. Il faut bien de l'énergie fossile pour fabriquer des énergies renouvelables. Alors, comment faire pour décarboner l'énergie? Je peux revenir sur cette question ou pas? Oui, bien sûr. Je trouve que c'est une bonne question parce qu'en fait, j'ai vu le film qui a fait grand bruit sur, en gros, la foutaise de la transition. C'est un film qui s'appelle Planet of the Humans. Donc, qui a fait grand bruit, qui a été produit par Moore, qui est intéressant sur tout ce qu'il raconte sur la biomasse, où je pense qu'effectivement, là, c'est pas un scoop, hein, c'est-à-dire on sait que les palmiers à huile pour faire tourner des voitures, a priori, c'est une aberration et c'est un scandale à la fois écologique, éthique, tout ce que vous voulez. Même chose pour le bioéthanol qui est produit à la place de la forêt amazonienne, même chose, même pour on va dire le bois qui est exporté des États-Unis et du Canada pour faire tourner des centrales énergétiques, enfin des centrales électriques en Angleterre, par exemple. Donc ça, je trouvais que c'était intéressant et c'était bien d'avoir des images
là-dessus. En même temps, j'étais très gêné par son traitement des éoliennes. Alors, je connais mieux le cas des éoliennes, mais aussi du solaire, sans doute. Où, évidemment, il faut de l'énergie fossile pour produire une éolienne. Je veux dire, c'est de fait, vu que tout système énergétique renouvelable, naît dans une situation, dans un monde qui est encore fondamentalement carboné, il faut produire du carbone pour le construire. Mais il y a un mot qui n'est jamais employé dans tout le film, c'est analyse de cycle de vie. Qui, d'une certaine manière, en gros, il fait croire que parce que, effectivement, il faut beaucoup d'acier pour produire des éoliennes, donc ça émet plein de CO2, donc ce n'est pas la solution. C'est évidemment pas la solution, ça, on est bien d'accord, mais ça fait partie quand même, malgré tout, de la solution. C'est-à-dire que les éoliennes, si vous prenez des analyses de cycle de vie qui sont faites, qui sont calculées à la fois par l'AIE et par l'ADEME, elles sont assez semblables. Alors, ça dépend, c'est toujours assez compliqué, mais les ordres de grandeur, en tout cas, sont à peu près les mêmes. Entre un kilowattheure produit par l'éolien et un kilowattheure produit par du charbon, il y a un rapport de 1 à 80 en termes d'émissions de CO2. Il faut émettre 80 fois plus de CO2 pour produire un kilowattheure avec une centrale à charbon qu'il ne faut pour produire ce kilowattheure avec de l'éolien. Pour le gaz, c'est de 1 à 40. Alors, ça ne veut pas dire que c'est fabuleux et que c'est la solution. Je ne dis absolument pas ça. Je dis simplement qu'il faut faire gaffe à ne pas raconter non plus n'importe quoi et que, en particulier en France, à quoi sert, enfin, objectivement, la critique de l'éolien, en ce moment, ça sert les intérêts d'EDF et du nucléaire. Et d'ailleurs, ça a été bien renseigné. Les grandes associations de lutte contre l'éolien, en particulier Vent de Colère, ont d'abord été aidées par EDF et par des nostalgiques. Si vous êtes dans le comité de parrainage, il y avait quand même Valéry Giscard d'Estaing et Marcel Boiteux, les deux pères fondateurs du système nucléaire français. Donc, à mon avis, c'est important de critiquer l'éolien. C'est important aussi de voir que cette critique peut être très facilement récupérée et qu'elle est facilement récupérée. Je voyais un petit peu les critiques du film, parce que bon, je vois qu'il y avait des aspects intéressants et des aspects très problématiques dans ce film. En France, ceux qui ont relayé ce film, c'est Le Point, qui n'arrête pas de faire des articles pro-nucléaire. Et l'autre, c'était Contrepoint, un site, je crois, un peu d'extrême droite, qui est aussi... vraiment très pro-nucléaire. Donc, il faut vraiment faire attention. En gros, en ce moment, la technocritique, c'est compliqué. C'est-à-dire que ça part un peu dans tous les sens, quoi. Donc, il faut vraiment, vraiment, à mon avis, faire attention. Je pense qu'en fait, le problème du débat, quand on se focalise sur les éoliens, sur la production énergétique, en France, c'est que pour le climat, à vrai dire, l'éolien, ça ne change pas grand-chose, vu que, de fait, l'électricité est en grande partie décarbonée du fait du nucléaire. Donc, ce n'est pas très intéressant comme débat, déjà. Hein. Et en deux, on se focalise sur un problème qui est... Bon, important, mais qui n'est pas ultra fondamental. Par exemple, le CO2 qu'on importe à travers le commerce international est largement supérieur au CO2 qu'on peut émettre pour produire l'électricité. Enfin, ça n'a absolument rien à voir. C'est beaucoup plus important de parler de démondialisation, de parler des échanges internationaux, de parler de ce genre de questions-là, plutôt que de parler d'éolien ou de solaire ou de nucléaire, en fait, pour le climat. C'est d'autres ordres de grandeur, en fait. Si vous prenez les émissions de la France, sur le papier, quand on calcule que l'empreinte nationale, c'est pas si mauvais, l'empreinte territoriale, on n'est pas parmi les plus mauvais. Si on prend en compte les importations de CO2 à travers le commerce international, on passe à 11 tonnes par habitant de CO2 par an, alors qu'on a 7 tonnes si on prend le calcul de l'empreinte nationale. Donc, il y a vraiment un écart fondamental lié au fait du mode de calcul. Donc, c'est ce genre de débat-là, en fait, qu'il faut poser quand on parle de transition énergétique et arrêter de se focaliser sur est-ce qu'on va produire de l'électricité avec de l'éolien, du solaire ou du renouvelable, parce qu'il faut déjà produire moins d'électricité, évidemment. Et après, l'électricité dont on a vraiment besoin, il faut accepter que le système dans lequel on va mettre nos billes, il va falloir effectivement émettre un peu de CO2 pour le produire. Ça fait aucun doute, quoi. Très bien, merci. Bon, du coup, on va peut-être passer aux autres thèmes et on verra si on a encore le temps de poser d'autres questions sur la transition énergétique, sauf si, Jean-Baptiste, tu veux répondre plutôt à ces questions-là. On avait une question qui était plus relative à Extinction Rebellion. Donc, j'aimerais vous savoir qu'est-ce qui t'avait motivé à venir à la déclaration Rebellion d'Ixter et est-ce que tu as suivi nos actions et si oui, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on peut dresser un bilan en fait, de cette année d'action? Alors, sur la deuxième question, je me garderais bien de faire un bilan ou de parce que je suis pas suffisamment j'ai rien d'intéressant, je pense, à dire sur vos actions et c'est pas moi en plus d'en discuter comme ça. Alors pourquoi j'avais tenu à effectivement, j'avais vraiment dit oui quand vous m'avez proposé de prendre la parole.
Parce que justement, j'ai l'impression quand même que dans chez Extinction Rébellion, il y a la. Enfin, moi, ce qui me gêne dans l'écologie officielle, c'est qu'on a plein de gens qui sont convaincus qu'il y a un problème, hein, mais qui ne prennent pas en compte la radicalité du diagnostic des climatologues. C'est-à-dire qu'on le voit bien pendant la crise du Covid, il y a eu vite un débat parmi les écolos sur est-ce que finalement le confinement et les Covid, c'est analogue, il y a quelque chose d'intéressant par rapport à la crise environnementale. Et très vite, les écologues, disons les porte-paroles d'une écologie assez sérieuse qui fonctionne bien dans les institutions, vont dire, ah mais non, non, absolument pas, ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir, il ne faut surtout pas faire peur aux gens. Si vous dites ça, ça va complètement faire fuir tout le monde. C'est une récession, ce n'est pas du tout une transition. Un refermement nationaliste, et ça, c'est très dangereux parce que politiquement, on va faire le lit du Front National. Je comprends hein, ce genre d'argument, c'est pas que je suis complètement obtus là-dessus, mais je pense quand même que si vraiment on veut faire ce que les climatologues nous disent qu'il faudrait faire, à savoir décarboner le système économique avant 2050, si, dans ces cas-là, le confinement ressemble d'une certaine manière à ce qu'il faut faire. Évidemment, il ne s'agit pas de rester tout squattrer chez soi, de ne pas sortir et ne pas aller boire un coup au bar, ce n'est pas la question. Mais se passer radicalement de la voiture, ne plus faire redécoller les avions, ça démondialiser le commerce international, je vous l'ai dit, c'est un rôle très important dans les émissions de CO2 de la France, ça a carrément à voir avec ce qu'il faut faire si on est vraiment sérieux, à mon avis, dans l'acceptation de la radicalité de ce que nous disent les climatologues. Donc c'est pour ça que je trouvais Extinction Rébellion chouette, parce que justement il y avait vraiment, disons, l'acceptation, si vous voulez, de voilà, qu'il ne s'agit pas de faire une écologie festive où il n'y a pas de perdants. Voilà, c'est ça que je trouvais intéressant. C'est-à-dire qu'il y aura des perdants dans la transition écologique. On sera tous d'ailleurs un petit peu perdants. Les riches seront beaucoup plus perdants parce que c'est évidemment eux qui polluent le plus. Mais voilà, donc c'est ça que je trouvais intéressant. C'est-à-dire qu'on n'était plus dans une écologie festive qui avait été en fait largement dominante. Si vous prenez l'histoire du Earth Day, qui est écrit donc en 1970, hein, qui est présenté souvent comme un acte fondateur du mouvement environnementaliste, ce qui est vrai, hein, c'est un acte fondateur du mouvement environnementaliste, mais c'était une écologie complètement, comment dire, assez festive, joyeuse, inclusive, très peu radicale et très peu, enfin qui Voilà, qui où on voyait bien d'ailleurs dans le documentaire de Planet of the Humans, où on voyait Caterpillar, une entreprise de bulldozer très importante américaine, qui finançait le Earth Day 2019, quoi. Donc, ce qui me pose vraiment un problème de ce point de vue. Donc voilà, c'est ça que je trouvais assez intéressant dans Extinction Rébellion, c'était l'acceptation de la radicalité de ce qu'il faut faire sur le front climatique, et pas que sur le front climatique, sur le front de la biodiversité aussi. Ben justement, en fait, là, on va reprendre un petit peu des choses que vous venez de dire, mais vous avez écrit une tribune dans Le Monde le 28 avril et vous expliquez justement, historiquement, la dynamique d'accumulation matérielle, elle n'a jamais été freinée par des crises, donc que ce soit des crises économiques ou des pandémies, ensuite, il y a toujours une reprise d'accumulation matérielle. Et vous concluez votre texte en disant il va falloir arrêter avec l'écologie festive et consensuelle que le Earth Day de 1970 a inaugurée, et il va falloir déconfiner l'écologie. Qu'est-ce que ça veut dire, déconfiner l'écologie? Ça, c'est le problème de ces. Alors, ce n'est pas des tribunes, hein, je précise, parce que c'est des chroniques. En gros, chaque mois, je dois me creuser le crâne pour trouver un sujet de chronique où je dois relier en fait la recherche historique avec l'actualité. Donc, ce n'est pas vraiment des tribunes, c'est-à-dire ce n'est pas forcément ce qui me passe par la tête. Donc, c'est pour ça que c'est un peu différent comme genre. Et alors, il y a deux points importants. Sur la dynamique d'accumulation de la matière, je ne dis pas que ça n'a pas freiné ou ralenti, ça a pu momentanément même faire baisser, mais ça n'a jamais produit une inflexion à moyen terme même de la dynamique d'accumulation de la matière et de l'énergie. D'accord? Au niveau global aussi, c'est un autre point important. C'est-à-dire que si vous prenez la masse de matière qui est consommée par l'économie mondiale, entre 1900 et 2015, c'est multiplié par 12. On est maintenant à 90 gigatonnes de matière par an. Essentiellement, donc c'est du pétrole, du charbon et puis beaucoup de matériaux de construction et puis aussi de la biomasse, évidemment. Si vous prenez cette courbe-là qui a été retracée par des chercheurs autrichiens, on voit qu'en gros, ça n'a jamais vraiment baissé. Il y a des petites encoches très momentanées après une guerre, après une grande crise économique, mais ça repart après plein pot.
Donc c'est pour ça que j'étais évidemment, enfin le premier point, c'est qu'on peut être assez sceptique sur l'effet, disons, si on prend, mettons, sur 50 ans, si vous voulez, de la crise du Covid. Sur 50 ans, sur la dynamique globale d'accumulation de la matière, il y a peu de chances que ce soit une crise type Covid ou ça produise quelque chose qui soit même visible, à vrai dire, sur une courbe un peu dézoomée, quoi. Donc c'est pour ça que je voulais insister sur le fait que malgré la Première Guerre mondiale et la grippe H1N1, malgré la Seconde Guerre mondiale, malgré la crise de 29, malgré les crises des années 70, de fait, on a consommé de plus en plus de matière à l'échelle globale. Donc c'était ce point-là que je voulais souligner. Qu'est-ce que ça veut dire déconfiner l'écologie ? Ce serait par exemple se dire qu'une vraie politique écologique serait capable d'agir sur ce genre de grands agrégats, en fait. Je ne sais même pas quel est l'acteur politique de ça, à vrai dire. Mais c'est quoi l'acteur politique qui permettrait de faire décroître la consommation matérielle de l'ensemble de la planète ? C'est ça l'enjeu, en fait, à vrai dire, d'une vraie transition énergétique qui soit à la hauteur, et une transition écologique qui soit à la hauteur du défi climatique. Et je ne sais pas si déconfiner l'écologie, ça veut dire ça. Bon, c'était évidemment un jeu de mots avec très mauvais, d'ailleurs, avec le déconfinement actuel, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire, il faut, par exemple, une chose toute simple, plutôt que réfléchir à faire des moteurs plus efficaces ou je ne sais quoi, actons le fait qu'on a, je ne sais pas moi, quelques années pour arrêter d'extraire complètement du charbon. Les climatologues le disent, en gros, il faut laisser les trois quarts des ressources fossiles sous le sol pour ne pas dépasser ces fameux 2 degrés en 2100, et il faut laisser tout le charbon, parce que le charbon est évidemment la source la plus émettrice de CO2 pour produire de l'électricité. Voilà. Donc, c'est ce genre de choses, en fait, qu'il faudrait être capable de discuter au niveau international aussi, parce que, évidemment, ça se passe maintenant essentiellement au niveau global. Donc, voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire déconfiner l'écologie, mais en tout cas, ça veut dire clairement sortir de l'idée qu'on va, disons, pouvoir faire une transition sans dommage économique. Ça me semble être vraiment, mais... c'est pour ça que je trouve dommage qu'on soit encore à questionner, à poser la question de la décroissance. C'est évident qu'il faut décroître. Vous pourrez prendre ça dans tous les sens. C'est évident qu'il faut faire décroître l'économie. C'est absolument impossible d'imaginer continuer de faire croître une économie au niveau global sans consommer de plus en plus d'énergie. Ce genre de choses, je pense que c'est important, effectivement, que ce soit posé dans ces termes-là. Et c'est pour ça qu'il faudrait aussi que les écolos arrive à avoir un discours, mais je ne suis pas forcément bien passé pour le faire, avoir un discours sur la récession, en fait. Il ne faut pas qu'on soit pris dans une critique qui est trop facile de dire finalement on est tétanisé par la récession, quoi. Il faudra arriver à avoir un discours positif sur cette récession, dire qu'on va choisir ce qu'on va faire décroître, avoir un discours un petit peu plus précis là-dessus. Mais une fois encore, je suis historien et pas du tout économiste et pas bien capable de vous dire précisément ce que veut dire déconfiner l'écologie, quoi. Mais en tout cas, si l'enjeu c'est de gérer les grands flux de matière, c'est sûr, c'est que c'est pas au ministère de l'Environnement que ça se fait, quoi. Ça se fait en fait dans toutes les institutions qui créent de l'infrastructure, qui créent de la consommation. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus général. Alors, il y avait une question justement sur ça, c'est est-ce que vous pensez que les politiques pourraient, alors je cite, pourraient nous imposer de vivre autrement, donc exactement de la même manière que ce qui se passe avec le Covid, on nous impose de rester chez nous, pour certains d'arrêter de travailler, etc. Est-ce que c'est possible de le faire, selon vous, politiquement ? La preuve que c'est possible, c'est qu'on l'a fait avec des entorses aux libertés individuelles qui sont largement supérieures à tout ce que la transition énergétique demande, quoi. Donc c'est pour ça que oui, je pense qu'il faut que le politique, d'une certaine manière, on est déjà interdit de faire tout plein de choses. La loi interdit de faire tout plein de choses. Il faut accepter le fait que l'écologie devienne punitive. Oui, effectivement, on est puni pour tout plein de délits. Il faut étendre la sphère des interdits sur des questions de consommation d'énergie. En fait, ça s'appelle le rationnement, hein, concrètement. C'est pas forcément remettre des peines corporelles. Hein. C'est rationner simplement un certain nombre de consommations. La même chose se pose pour la question de la viande, en fait, qui joue aussi, qui est un aspect clé, en fait, de la transition. Il y a eu tout plein de discours sur le problème, c'est notre rapport nature, culture, environnement, non-humain. Non, la question, c'est la question de la consommation de la viande. On ne peut pas parler de végétarianisme, mais c'est évidemment que ça a un rôle absolument clé dans la transition, ou la réduction drastique de la consommation de viande. Donc je pense que sur ce genre de choses,
ça peut se faire de manière progressive, ça doit se faire ça de manière progressive, parce que changer les comportements, c'est évidemment toujours difficile, mais à un moment ou à un autre, on sera obligé de passer par des interdictions. Ça, j'en suis intimement persuadé. Sur des choses en particulier où on sait qu'il n'y a pas de transition possible. Tout ce qui est aviation, par exemple, on sait que c'est impossible, enfin, en tout cas avec les techniques actuelles, on ne pourra pas décarboner le transport aérien avant 2050, ou alors avec cet aspect complètement néfaste qui est d'utiliser des biofuels, en gros d'utiliser de l'huile de palme pour faire tourner des avions, ce qui est quand même une horreur à la fois pour le cours des matières premières agricoles et donc pour les pays pauvres et pour l'environnement. Donc on ne peut pas décarboner le transport aérien, donc là il y a un aspect à un moment, soit on laisse simplement dire on augmente le coût des avions, ça veut dire qu'il n'y a plus que les riches qui pourront voyager, soit on accepte le fait de rationner drastiquement le transport aérien. Je pense que ces solutions devraient s'imposer. Et en plus, ce ne serait pas une telle entorse aux libertés, sachant que dans tous les... Enfin, ce ne serait pas un truc de survie, en sachant que dans tous les cas, on est très surveillé quand on prend l'avion, quoi. Donc, je ne vois pas... Enfin, je ne verrais pas ça comme une énorme entorse aux libertés que de rationner le transport aérien. Ça me semblerait très important. Pour juste rebondir là-dessus, est-ce qu'on peut s'assurer, en fait, que ces mesures qui viseront, en fait, à rendre l'écologie un peu plus... punitives, comme vous dites, en fait, toucheront les vrais responsables en fait de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce qu'il faudrait qu'elles touchent en priorité les systèmes de production plutôt que la consommation, puisque... Bien sûr. Ouais. Ça, entièrement raison. C'est-à-dire, en fait, effectivement, toute la discussion actuelle, là, c'était absurde. D'ailleurs, vous avez raison. On se focalise sur la consommation et sur les consommateurs. Alors, on pourrait déjà faire tout plein de choses en étant beaucoup plus strict sur les normes de production. Ça, c'est évident. Plutôt que rêver d'une transition de toute la flotte automobile électrique en 2040, imposer de suite des voitures beaucoup plus légères, qui consommeraient beaucoup moins d'essence, qui n'iraient pas très vite, où il n'y aurait plus aucun aspect ostentatoire, ce genre de choses, ce serait quand même, je veux dire, ce serait le béaba de... Si on était sérieux sur le fait que voilà, on est en guerre contre le changement climatique, comme le disent souvent nos gouvernants, c'est typiquement le genre de choses qu'on pourrait faire assez vite, en fait. Donc, évidemment, vous avez entièrement raison, c'est du côté des producteurs. Pour le plastique, c'est exactement pareil. Enfin, je veux dire, plutôt que faire culpabiliser les gens quand ils jettent leurs gobelets en plastique, bah, autant ne pas produire de gobelets en plastique. Donc, vous avez entièrement d'accord. C'est important de bien montrer que c'est du côté du monde de la production qu'énormément de choses se jouent, effectivement. Et sur cette question, du coup, on a une question justement. Le combat écologique est-il dissociable d'un combat social si les plus riches, donc y compris nous, ont à y perdre? Et comment faire passer le sacrifice que cela implique? Donc, comme on a parlé de rationnement, évidemment, les plus riches d'entre nous ont beaucoup plus à perdre. Ah, effectivement, non, bah, l'intérêt du rationnement, c'est que, en ce sens-là, c'est beaucoup plus démocratique parce que c'est évidemment les... Enfin, ça, c'est les plus riches qui ont à perdre, effectivement, puisque c'est aussi les plus grands pollueurs, de fait. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais comment faire passer la pilule? Bah, je pense justement par une plus grande égalité économique et sociale. C'est-à-dire que ce sera difficile d'imaginer... c'est ce qu'avaient montré les Gilets jaunes. C'est extrêmement difficile d'imaginer une transition énergétique qui s'adresse uniformément à l'ensemble de la population et qui même, en fait, si vous prenez... les budgets en fait, des ménages, les gens qui ont moins d'argent dépensent plus d'argent pour alimenter leurs véhicules. Donc, si vous augmentez les taxes, en fait, vous les appauvrissez davantage que les gens qui ont beaucoup d'argent. Donc, c'est évident que sans une volonté très forte et d'égalisation des conditions et aussi de solidarité, avec un revenu universel, avec des garanties pour les secteurs qui seront amenés à disparaître, de trouver un emploi dans un autre secteur, etc., la transition, elle sera perçue comme quelque chose de beaucoup trop injuste, en fait. Donc ça, c'est effectivement quelque chose de crucial, en fait, de bien faire expliquer qu'on ne peut absolument pas penser la question sociale, la question écologique, sans penser la question sociale, en fait, que c'est vraiment deux choses qui doivent aller de pair. Sinon, on pourra pas... Sinon, effectivement, ça ressemble à une écologie malthusienne de droite qui était très à la mode dans les années 60. Hein. C'est les pauvres qui sont responsables parce qu'ils pullulent et il faut réduire leur fertilité. Ça, c'était le discours écologique classique des années 60 aux États-Unis. Il ne faudrait pas que ça soit la même chose sur le carbone et sur les transports en disant oui, c'est les pauvres et leurs voitures qui nous foutent dans la merde. Quoi. Donc, vous avez entièrement raison. Et du coup, alors il y a une question aussi, est-ce que finalement la solution ne se résume pas tout simplement à détruire le capitalisme? Voilà, et vous, peut-être en tant qu'historien, est-ce que justement un de vos rôles, ça pourrait être d'historiciser le capitalisme, dont on a souvent l'impression que c'est un phénomène un petit peu naturel et indépassable?
Alors, je dirais d'une certaine manière, alors il y a plusieurs façons. La réponse est, il y a clairement un aspect, enfin, c'est évident que ce serait, comment dire, que le capitalisme tel qu'il existe est l'acteur principal qui est la cause du changement climatique et de la destruction des environnements. Donc, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas fait en fait beaucoup en recherche publique en vérité. Parce que, bon, déjà, il y a tout plein d'autres situations où c'est l'État qui est responsable en grande partie de la destruction de l'environnement. Si vous prenez par exemple, je ne sais pas moi, Sinopec en Chine, une très grande compagnie pétrolière chinoise, Indian Coal, qui est la plus grande entreprise minière au monde, ça appartient à 95% à l'État indien. Les grandes majors internationales du pétrole, en fait, c'est Aramco, en fait, la plus grande, enfin, beaucoup plus importante que Exxon, tout ce que vous voulez, ça appartient à l'État saoudien. Donc, je dirais que la question, justement, c'est de sortir, à mon avis, de ces ismes et de regarder vraiment les quantités de matière, les modes de production, etc. L'autre aspect, c'est que dans l'histoire, le capitalisme a pris des formes différentes. Le capitalisme fossile, tel qu'on le connaît, a eu la conséquence de complètement bousiller le climat. Mais au XVIIIe siècle, il y avait une forme de capitalisme agraire qui, lui, n'arrêtait pas de parler d'environnement. À la fin du XVIIIe, les gens qui sont très riches, et même encore très loin dans le XIXe, les gens qui sont vraiment riches, ce n'est pas du tout les industriels, c'est ceux qui possèdent des terrains, des champs, possèdent la terre. C'est là où l'argent se fait vraiment, c'est la rente foncière. Et quand vous êtes un grand rentier, un grand propriétaire terrien en France ou en Angleterre fin XVIIIe, vous avez intérêt à ce que votre fermier, celui à qui vous louez votre champ, vos terres, rende votre champ en bon état. J'ai pas mal travaillé dans les archives judiciaires. Début 19e siècle, il y a des tonnes de procès de propriétaires terriens qui poursuivent leurs fermiers en disant: vous n'avez pas bien fumé les terres, vous n'avez pas mis les engrais qu'il fallait, vous avez mal entretenu tel endroit, tel machin, etc. Donc, d'une certaine manière, vous voyez, le capitalisme organique fin 18e, en ce qui concerne le respect de la fertilité du sol, il est très préoccupé de cette question-là parce que c'est la source de son profit. C'est pour ça que si on dit que c'est le capitalisme qui est responsable, en fait, c'est un type de capitalisme qui est le capitalisme fossile. D'une certaine manière, enfin, je pense que c'est important justement, en particulier pour les historiens, c'est trop facile de commencer à manier des grands ismes, les opposer les uns aux autres, si on ne sculpte pas les flux de matière et les modes de production. En fait. C'est pour ça que je trouve que ce que la crise environnementale et le changement climatique fait à la réflexion à la fois intellectuelle et politique, ce serait justement d'aller au-delà de cette critique du capitalisme. Évidemment que le capitalisme, historiquement, est le principal responsable, mais il faut encore l'instancier dans qu'est-ce que c'est que ce capitalisme. Donc, c'est tel mode de production, c'est aussi tel flux de matière à l'échelle globale. Par exemple, si vous regardez les échanges de matière au niveau international, pendant longtemps, les pays riches ont été des pays qui exportaient de la matière. Vous voyez, les grandes puissances au 19e siècle, l'Angleterre, qui importe aussi beaucoup de biomasse, exporte des quantités faramineuses de charbon. Donc, d'une certaine manière, elle se fait exploiter écologiquement. Les États-Unis, au 19e siècle, c'est des grands exportateurs de matières premières, et encore au 20e siècle. C'est seulement, si vous voulez, pendant les 30 Glorieuses, où les pays riches deviennent des sortes de parasites qui profitent finalement des bienfaits de la nature à l'échelle globale. Donc, c'est aussi assez historiquement situé, si vous voulez. Donc, c'est pour ça que il n'y a pas un récit simple, à mon avis, et univoque de la crise environnementale. On peut très bien, évidemment, le capitalisme est un très bon coupable, mais il y en a plein d'autres. La guerre, par exemple, à mon avis, les militaires et la guerre et la préparation à la guerre jouent un rôle fondamental dans l'Anthropocène, dans la crise environnementale, et ce n'est pas quelque chose qui se réduit si facilement que ça à la logique capitaliste, quoi. Par rapport à la situation, pour revenir un peu à la situation qu'on traverse aujourd'hui avec le Covid-19, vous avez écrit, enfin tu as écrit, je commence à te tutoyer, je vais continuer, tu as écrit un livre qui s'appelle L'Apocalypse joyeuse, dans lequel tu démontres en fait que les capitalistes de la première révolution industrielle étaient au courant des risques de ce mode de développement, et du coup on aurait bien aimé avoir ton avis sur l'écho que ça pouvait avoir aujourd'hui en fait. Alors, je ne sais pas si ça a énormément d'écho, mais en gros, le bouquin L'Apocalypse joyeuse, pour ceux que ça intéresse, c'est en fait une histoire de la révolution industrielle vue par la question du risque et de l'environnement. Et ce qui me frappait, c'est que le récit des sociologues et le récit en général hein, dans l'espace public, c'était qu'on s'était préoccupé depuis peu d'environnement. Que ça fait que depuis les années 70, en gros, que la question du risque et que la question environnementale est devenue prééminente dans l'espace public et dans le monde politique. Et en fait, ce que je montrais dans ce bouquin, c'est que dès le 19e siècle, enfin même dès le 18e siècle, fin 18e, début 19e, il y a énormément de réflexions sur les questions de risque et d'environnement, en particulier sur les questions d'environnement
Pour une raison toute simple, c'est que à cette époque, l'environnement est d'abord une catégorie médicale. L'environnement, c'est ce qui détermine la santé des populations. On n'a pas encore les microbes et les bactéries et les virus et tout ça pour expliquer les maladies. Donc, pour rendre compte d'une épidémie, on invoquait l'environnement. On n'invoquait pas une bestiole qu'on se refilait les uns les autres. Non, c'est quelque chose dans la qualité de l'air, dans la qualité des eaux, dans ce que les médecins appelaient les circumpoussats, toutes les choses qui nous environnent, qui produisent l'épidémie. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est dans un contexte, dans ce contexte intellectuel-là, où l'environnement est hyper important, et ce n'est pas que les capitalistes qui ont conscience de ça, c'est tout le monde en fait. C'est-à-dire, c'est le, si vous voulez, c'est le cosmos général, tout comme nous, on a appris à vivre avec l'idée qu'il y a des virus. Au XVIIIe siècle, les gens vivaient avec l'idée que la qualité de l'air, la qualité de l'eau était hyper importante pour leur santé. On le voit dans les pétitions contre les usines qui se mettent en place pendant la révolution industrielle, c'est à peu près tous les groupes sociaux qui vont souscrire. Un tel est mort à côté de chez moi, etc. Donc, c'est vraiment, disons, un cosmos général. Et ce qui est frappant, c'est que c'est dans ce cosmos général où l'environnement joue un rôle hyper important qu'on s'est quand même industrialisé, malgré le cortège inouï de pollution. Donc, si vous voulez, l'Apocalypse joyeuse, c'était un peu une critique de la vision très gratifiante de nous-mêmes, qui est de dire on est les premiers à prendre conscience de la crise environnementale et maintenant, tout va aller pour mieux parce qu'on a conscience aussi. Alors maintenant, on sait que c'est naïf comme discours parce que depuis qu'on a conscience, maintenant, on se rend compte quand même que ça fait bien longtemps et puis il n'y a pas grand-chose qui s'est passé pour le mieux. Mais c'était un petit peu pour insuffler un peu de modestie dans ce diagnostic de modernité réflexive, pour reprendre le terme d'un sociologue qui était important, qui s'appelait Ulrich Beck. Donc voilà, c'était un petit peu ça le thème de l'Apocalypse joyeuse. Donc, je ne vais pas vous en parler plus parce que ce n'est pas le sujet. Alors, le rapport avec le Covid, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire d'une certaine manière, on retrouve maintenant, en ce moment, j'étais assez frappé parce que j'avais pas réalisé que ça existait, des savoirs qui refont le lien entre maladies de type sanitaire, virus et pollution, par exemple. Quand j'ai lu des articles qui disaient qu'il est probable que la pollution de l'air joue un rôle dans la transmission du virus, je trouve ça, ça je trouve ça intéressant parce que c'était typiquement ce genre de mélange entre le vivant et l'immatériel qui était dans cette notion d'environnement du 18e, 19e siècle. Donc là, on a des choses qui reviennent, une sorte de refoulé des circumpoussats qui reviennent sur le devant. Et sinon, non, par rapport à mon expérience un peu d'historien de la médecine, ce que je ne suis pas, j'ai un peu très bien sur la médecine, mais je ne suis pas vraiment historien de la médecine, c'est quand même le caractère assez inouï et inédit de ce qui s'est passé dans la primauté de l'idée qu'on va sauver des vies sur l'économique. Et ça, je dois dire, c'est vraiment quelque chose auquel moi, en tant qu'historien, je n'aurais pas parié dessus. Quoi. Voilà. Parce qu'on avait tout un tas, déjà au XVIIIe siècle, on parle de quarantaine, etc., pour les épines de variole en particulier, mais vu que ça interrompt les circuits économiques, c'est jamais vraiment respecté. Quoi. La variole, on l'accepte comme une sorte de fait de nature, alors que la mortalité, c'est quand même 1 sur 7, hein, c'est autre chose que le Covid. Quoi. Et puis même encore récemment, la grippe de Hong Kong de 1968, dont on a beaucoup parlé, ça avait quand même fait 35 000 morts en France, personne n'en avait... Enfin voilà, il ne s'était pas passé grand-chose, qu'on n'avait pas fait grand-chose pour lutter contre ça. Donc, et puis le fait que cette décision de confiner ait eu lieu dans un nombre de pays aussi importants qui n'ont rien à voir économiquement, sanitairement, etc. Ça, c'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup surpris, personnellement. Je dois dire que ça, c'est vraiment quelque chose que je pense qui est vraiment fondamentalement inédit et qui, d'une certaine manière, c'est pas optimiste, mais je trouve que ça devrait quand même, d'ailleurs, ça le fait, hein, ça nourrit un peu quand même la volonté d'agir écologiquement. Quoi. Si on a été capable de faire ça pour sauver 200, 300 000 vies qu'une épidémie laissée à elle-même aurait produit en France, on peut faire des choses aussi importantes pour la pollution de l'air, les épandages de pesticides, d'engrais, etc. Il faut agir avec, évidemment pas en confinant tout le monde, mais en tout cas, on peut agir assez fortement sur les constructeurs automobiles, sur la manière dont on organise l'urbain, etc. Donc voilà, ça, je trouve que ça devrait plutôt nourrir des affects écologiques, et c'est pour ça que je pense que cette crise, elle est intéressante quand même pour le mouvement écologique. Merci. Alors, il nous reste très peu de temps, donc là, on n'a pas pris de nouvelles questions. On va probablement pas pouvoir toutes les poser. Juste peut-être une dernière question. J'en regrouper deux ensemble. Il y en a une qui concerne, les deux concernent la recherche, en fait. Donc, vous êtes chercheur. Donc, comment orienter la technique et la recherche qui est associée vers une réponse pertinente aux enjeux, donc notamment environnementaux, mais aussi sociaux, décoloniaux, féministes, etc.
Et pensez-vous que la communauté scientifique doit dépasser son rôle d'alerte et appeler réellement à désobéir? Donc on se souvient qu'il y a déjà une tribune de chercheurs qui a appelé à la désobéissance civile il y a peu de temps, qui avait été parue dans le monde. Alors, sur la première question, je pense que de plus en plus quand même de chercheurs se préoccupent quand même de manière forte sur ces questions. Je pense qu'il ne faut surtout pas surestimer le rôle de la recherche dans ces questions-là. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que c'est une question de recherche scientifique et d'innovation, et en fait, ça, je n'y crois plus du tout. Je n'ai jamais vraiment cru d'ailleurs, mais c'est-à-dire que l'essentiel des techniques qui doivent faire la transition, on les a sous la main, en fait. Et ce n'est pas des techniques nouvelles. Ça s'appelle la marche à pied, le vélo, ça s'appelle l'agroécologie, ça s'appelle aussi les éoliennes, malgré tout. Il ne faut pas compter sur... je crois que le point important, c'est vraiment que de bien prendre conscience que les chercheurs ont posé le diagnostic de l'alerte environnementale, ils ne pourront pas faire beaucoup plus. Donc ça, je pense que c'est vraiment fondamental. Il faut, faut déjà surtout se méfier des utopies sociologique, philosophique, sur on va créer une nouvelle manière de relier l'humain et le non-humain, etc. Bon, ça, c'est en fait du blabla qui n'a pas grande importance. Il faut aussi se méfier des utopies techniques. Voilà. Donc, je pense qu'il faut vraiment se méfier de ces deux choses-là. Le monde technique qu'on a, c'est celui qu'on doit utiliser pour résoudre la question, puisqu'on doit résoudre la question, on doit la résoudre maintenant tout de suite, en fait. Voilà. Donc, ça, je pense que c'est vraiment le premier point sur la recherche. Ce qu'il faut en attendre ou pas. Après, je serais assez aussi sceptique sur l'idée qu'on va orienter, parce que je suis chercheur, j'ai envie de préserver mon autonomie, quoi, mais j'ai envie de rechercher ce qui m'intéresse, c'est pour ça que j'ai fait ce job. Et donc, je serais assez sceptique sur l'idée qu'il faut réorienter tous les programmes de recherche sur cette question-là, parce que je pense que, par exemple, mes collègues archéologues qui travaillent sur, je ne sais pas moi, la paléographie mérovingienne, ils n'ont pas envie de travailler sur la question du changement climatique, et ils ont raison. Et c'est important qu'il y ait des gens qui s'intéressent à autre chose, quoi. Donc, c'est pour ça que je serais assez sceptique sur l'idée même de réorienter complètement toute la recherche. Après, il faut évidemment éviter de chercher des choses dont on sait qu'elles sont nuisibles. Ça, c'est assez évident et ce serait déjà la moindre des choses à faire. Je pense à la géologie pétrolière. Finalement, dans l'histoire de l'humanité, on ne retiendra pas ça comme une discipline absolument, disons, formidable dans l'histoire de l'humanité. Sur la deuxième question, l'appel à la désobéissance civile. Oui, on peut appeler à la désobéissance civile. Après, je pense que ça, c'est une vieille question qui avait été beaucoup traitée par les socialistes de la fin du 19e siècle. C'est-à-dire, c'est la question finalement du sabotage, quoi. Et Jaurès avait expliqué que... Enfin, lui, il était contre, hein, il était pour la grève générale, je pense qu'il avait raison. Pourquoi il était contre? C'est parce que c'est à la désobéissance civile. Soit c'est symbolique, parce que là, c'est gentil, mais c'est pas, ça ne fait pas grand-chose, au fond. C'est-à-dire, on peut... système capitaliste peut vivre avec une désobéissance civile qui reste festive, etc., ou festive, ou même moins festive, mais qui reste, qui est à la marge. Et si ça devient plus à la marge, alors ça peut aliéner la population au mouvement socialiste. Donc lui, ce qu'il pensait, c'était organiser le mouvement socialiste pour le rendre suffisamment puissant pour faire plier les capitalistes à travers la grève générale, qui était l'outil de choix des socialistes de la fin du 19e siècle. Et ça, ça nécessite effectivement d'avoir un mouvement social très puissant, parce que réaliser une grève générale, ce n'est pas rien. Donc je pense que c'est plutôt dans l'organisation de collectifs de plus en plus puissants, en reprenant finalement ce qui avait été fait au 19e siècle pour acquérir des droits sociaux, hein, qu'on peut espérer, à mon avis, vraiment avoir un rôle pour peser sur des grands choix de politique économique qui effectivement feront des perdants, et des perdants assez, assez importants, quoi. Bon, très bien, merci. Tu voulais parler, Agrippine? Pardon. Non, t'as activé ton micro. Ok. Bon, du coup, c'est l'heure, donc on va conclure. Navré, si on n'a pas pu poser toutes les questions. J'ai encore 5 minutes, hein, si vous voulez. Je suis pas. Tant que mes enfants hurlent pas derrière, c'est bon. Ok. Je sais pas si. Une dernière question, comme vous voulez. Ouais, alors il y en avait une autre qui était venue de YouTube. Alors, on revient un petit peu en arrière par rapport à ce qu'on disait sur l'accumulation de matière. Et donc, ça rejoint peut-être un petit peu la thématique de la grève générale. Si l'accumulation de la matière est reliée à l'accumulation de la valeur par l'exploitation du travail, faut-il arrêter de travailler? Alors, d'une certaine manière, le Covid montre qu'il y a tout plein de boulots quand même qui. Le confinement montre qu'il y a tout plein de boulots qui sont manifestement pas indispensables
le mien en fait partie hein, d'ailleurs, mais au, disons, au bien-être, voilà. Ou à la satisfaction des besoins de base. Donc, d'une certaine manière, je pense qu'il faut clairement réduire le temps de travail. Oui, ça fait partie de la transition écologique. Après, dans certains points de vue, on utilisera des outils qui sont peut-être moins productifs. Je pense en partie dans l'agriculture. C'est-à-dire que, par exemple, si vous voulez faire de l'agroécologie sans utiliser de glyphosate, qui est un désherbant très pratique, ça nécessite beaucoup de main-d'œuvre. Bon, ce n'est pas l'agriculture du 18e siècle, mais il y a quand même un aspect, voilà, il faudra... fournir davantage de main-d'œuvre agricole. Donc, voilà, il y a d'une certaine manière, on aura peut-être besoin de moins de, je sais pas moi, de consultants et publicitaires, ça c'est probable. On aura besoin de plus d'agriculteurs, plus de métiers de soins, voilà, etc. Donc, je pense qu'il faut penser, il faudrait que les écologistes remettent en avant la question du temps de travail, qui a été complètement mise sous le boisseau à partir de Sarkozy, en fait. Et faut bien avoir conscience que dans certains domaines, il faudra travailler davantage. Voilà. Donc, c'est la question aussi du partage de la valeur ajoutée, etc. Enfin, c'est des vastes questions sur lesquelles je ne suis pas très compétent. Du coup, Agrippine, encore une question ou... Oui, bah, c'est pas moi la chef, hein, mais si je prends une autre question, c'était pour articuler, comment, une autre question de YouTube, comment articuler les échelles du local, collectif, au global, pour mettre en place la gouvernance dont il est question. Alors là, ça, c'est la question. C'est la question qui me taraude le plus, en fait, et qui me rend le plus sceptique, en fait. Sur le fait qu'on va réussir à ne pas avoir 4 degrés ou 5 degrés en 2100, j'en sais rien. C'est ça qui me rend le plus pessimiste, en fait. C'est-à-dire que, l'écologie, le mouvement écologiste est quand même très européocentré ou même des fois franco-centré. Hein. Or, le fait majeur quand même de ces 50 dernières années, c'est que l'Europe est plus très importante dans cette affaire-là. Ça ne se joue plus vraiment en Europe. L'Europe participe, évidemment, et a participé énormément dans le passé, et continue de participer, hein, plus que sa part de démographie. Mais si vous prenez les émissions de CO2 de la Chine à elle toute seule, c'est plus de CO2 que l'Europe et les États-Unis réunis. Là où maintenant il y a des fortes croissances d'émissions, ça va être sans doute en Inde, etc. Donc, de fait, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas être parfaitement exemplaire en Europe, et sachant qu'on est les... Mais sans doute le groupe de pays qui a le plus profité du changement climatique et qui a le plus causé le changement climatique, c'est évidemment chez nous qu'il faut commencer à faire des sacrifices. Mais c'est évident qu'à un moment ou à un autre, il faudra faire des liens avec des mouvements écologistes en Chine, en Inde, je ne sais pas. Enfin, voilà, c'est quand même des énormes questions. Sachant que c'est. Alors, pour l'Inde, c'est un peu différent, mais pour la Chine, c'est quand même des sociétés où là, pour le coup, je pense que certaines actions d'extinction de rébellion seraient franchement très dangereuses et vaudrait mieux pas s'y risquer. Donc voilà, c'est des questions très lourdes. Pareil, pourquoi un pays comme la Russie accepterait d'arrêter d'exploiter son gaz qu'elle a en abondance, son charbon aussi, ils ont plus de 3 siècles de consommation de charbon, s'ils ont envie de le faire. Sachant que eux, le changement climatique, bon, il y aura peut-être sans doute des incendies, mais à la limite, ça dégage les terres pour l'exploitation agricole future, mais ce n'est pas un énorme souci immédiat, quoi, on va dire, la question du changement climatique pour la Russie. Comment un pays comme l'Arabie Saoudite, qui dépend massivement du pétrole, pourrait accepter de laisser son pétrole sous le sol, sachant qu'ils ont eu devant une des premières armées mondiales. Enfin, c'est compliqué d'imaginer. Et après, il y a des situations plus dramatiques. Si vous prenez l'Algérie, 80% du budget de l'État, ça repose quand même sur les exportations de pétrole. Qu'est-ce qu'on dit à un pays qui a besoin d'argent pour faire tourner son système de santé, son système éducatif, etc. De dire, ben non, désolé, on ne va plus vous acheter de pétrole parce qu'on a choisi de faire une transition énergétique. Là aussi, il y a des questions qui sont en fait très, très lourdes, quoi. Et qu'il faut commencer à prévoir dès maintenant. C'est-à-dire que je suis... C'est pour ça que... Enfin, c'est l'absence, effectivement, de commun mondial sur ces questions qui rend assez pessimiste, quoi, sur l'avenir. Ok, du coup, je ne sais pas s'il y a encore des questions qui ont été posées. Je ne sais pas si tu as encore un peu de temps devant toi, Jean-Baptiste. Bon, mais s'il n'y a pas d'autres questions, moi, je veux bien arrêter. Donc, y a pas de ok, très bien. Bon, j'espère que ce n'est pas complètement à côté de la plaque par rapport à ce que vous attendiez. Finalement, on n'a plus parlé d'histoire, alors que c'est là où j'aurais eu des choses. Mais bon, j'imagine que ce n'est pas forcément un cours d'histoire que vous aviez envie d'écouter, pour que je comprenne. Allez. Bon, ben, merci beaucoup. Et puis, je remercie Blob pour la technique et Les Arts des Libertades pour la modération.
Et juste deux petites annonces avant de nous quitter. Donc, demain à 19h30, il y aura un live sur la page Facebook de Pixar France avec Serge Dumont, donc, qui est biologiste et réalisateur. Et donc, notre première action décentralisée post-confinement, elle aura lieu le 16 mai partout en France. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. On va mettre le lien là dans la conversation. Et puis, bien sûr, merci beaucoup, Jean-Baptiste. Si je peux ajouter des suggestions de personnes, je pense que ça. C'est important pour le mouvement écolo de quand même d'écouter, disons, les experts de la transition énergétique, même s'ils peuvent être des fois agaçants, ils nous apprennent plein de choses. Donc moi j'ai lu récemment le bouquin de Christian Pertuis, qui est très optimiste sur l'idée que les renouvelables vont être compétitives, etc. Il dit plein de choses intéressantes. C'est un bouquin qui est intéressant. On peut être critique d'un certain point de vue. Par exemple, parce que même si les renouvelables sont compétitives, si ça nous fait consommer moins de pétrole, le prix du pétrole va diminuer, donc le pétrole va aussi redevenir compétitif. Enfin, c'est des choses qui sont assez compliquées, je pense. Mais c'est intéressant d'avoir aussi des experts d'un point de vue technique. J'avais écouté, comment il s'appelle, Cédric, j'ai oublié son nom, pardon, un gars qui travaille à l'AIE sur les énergies renouvelables. C'était passionnant ce qu'il racontait. Alors lui, il était d'un optimisme incroyable, en fait, sur le fait qu'on allait pouvoir produire de l'hydrogène en masse, le transférer, etc. Et je pense que c'est important aussi d'avoir